Yo les geeks, j'espère que vous allez bien et que vos collections avancent bien. Pour ma part, eh bien ça va nickel. Et oui, aujourd'hui on s'ouvre la nouvelle série Pokémon du Origine Perdue, le fameux EB11. J'ai réussi à en trouver un, bah j'étais étonné, j'étais allé à la grande récré pour acheter des Lego Super Mario, les figurines, hop, les dernières, celles-ci. Et j'ai trouvé ça en caisse, donc il y avait une display. Donc j'ai pris deux boosters, la dame a choisi, on verra si elle a la main chanceuse, avec illustration Gardevoir en shiny et Zoroya de Hisui. Et il y avait également des tripacks, donc j'en ai pris un avec la carte promo d'Imoré. Et il y avait aussi Régigigas, mais ce sera pour un prochain tripack. Hop, avec le petit jeton pas l'artichaut. Donc voilà, c'était une bonne surprise, sortie une semaine plus tôt. On va s'ouvrir ça. J'espère que la chance sera là, parce que dernièrement, la chance n'est pas avec moi sur Pokémon. Et bon, ça, la chance, ça va, ça vient. J'espère que ça va revenir, en fait. Et puis, au pire, ça pour la prochaine fois. Hop, alors. Hop, si vous voulez le petit code. Hop, tac. Voici la carte promo d'Imoré. Bon, elle est bien courbée. La régie Giga est plus sympa quand même. Les trois boosters. Donc là, on a deux Zoroya de Hisui et un Amovenus. Voilà, c'est vrai que ce Pokémon, je ne connaissais pas. C'est un peu comme Boreas, Fulguris. Voilà. Avec des petits cœurs là. Amovenus, c'est quand même. Ouais, le nom, ça me fait penser à un rasoir de filles. Voilà. Ouais, voilà. Sans plus de commentaires. Bon, mais on va s'ouvrir ça. Et on va commencer par le tripack. On verra par ceux du display. Donc, je ne suis pas trop spoilé sur la série. Bon, il y a toujours les codes, par contre, code noir, code blanc. Donc, pour ça, toujours, on ne va pas regarder le code. On va faire comme ça. Voilà. Et ouais, la série, je sais qu'il y a du Giratina alternative. Là, je l'ai vue, elle est magnifique cette carte. C'est The Carte à avoir. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que je la ferai tomber. On va voir. Funessira. Bah d'ailleurs, le logo, hop, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que ça ressemble? Ouais, ça fait penser un peu à la tête de Giratina, je pense. Hop. Roselia, Rocabot, Otaria, en reverse, Blindalice, un peu comme une reverse. On peut avoir des radus encore dans cette série. Hein. Il y en a encore trois à voir et des traîneurs galeries également. Et en rare, Migalos, qui est très joli, bien coloré, de Shinji Kanda. Sympa. Allez, on va continuer. Je croise les doigts pour avoir quelque chose quand même. Très bien. C'est vrai que bien souvent quand on. Enfin, je sais pas vous, mais les premiers tripacks que j'achète, c'est toujours de la chance. Et je peux me tromper. Je peux ne pas avoir de chance tout simplement. Les cartes me paraissent super fines. Hop, oh là, je me suis spoilé, il y a quelque chose, mais elles sont plus grandes les cartes en fait. Elles sont plus grandes les ultras par rapport aux autres. Portail Mirage. Ah oui, voilà, ça c'est la zone perdue. Il y a des illustrations où on voit cette petite fumée tricolore. Ça fait très joli. Ouais, ça rend vraiment bien. Marcia. Funessir. Roselia. Ah, la finesse des cartes. Voilà. Rocabot. Otaria. Vous avez les mêmes que tout à l'heure. Polychombre. Ah, très joli Polychombre. J'aime bien l'illustration. Tire la langue là. En reverse, Machoppeur et en V, Roucarnage V. Voilà, je ne savais même pas qu'il y avait Roucarnage. Le petit piaf. Voilà. Voilà. Une petite vue quand même dans le tripack. C'est toujours ça. Le dernier booster du tripack. C'est. Ils sont ces blisters aussi.
Le booster papier est tout fin, mais vraiment pas agréable. Hop, énergie plante. Ariama. Pardon, je donnais un coup de casquette. Spectrum. Ouais, sympa aussi. Cookie Saitou, l'illustrateur. Ouais, sympa. Tétarte. Elle rend très bien également celle-là. On retrouve l'effet du cercle comme sur son ventre avec l'eau. Bah pareil, l'eau est courbée. Très sympa. Chenipote. Rhinocorne. Cornèbre, pâte à modeler. Hippotrempe. Miss Dibule. Très colorée celle-ci. Ouh, une petite traîneur galerie. Ah, celle-là, vous le savez. Vous devez commencer à me connaître. Ce sont mes préférés. La TG03 sur... Oh, purée. La drac au feu. Oh, super. Super, la drac au feu. Je suis pas fan de drac au feu. Enfin, j'apprécie beaucoup, mais c'est pas mon Pokémon préféré. Mais celle-ci, avec Tarak, oh, elle est géniale. Elle est sublime. Et en rare, Frison. Oh là là, super. Bon, c'était un bon petit tripack. Bon, c'est pas, ça doit pas être une carte très rare, hein, vu qu'elle est entraîneur galerie. Mais quand même. Peu m'importe. C'est la beauté de la carte. Niveau coloris... Les personnages, leur complicité, les deux, super sympa. Ah, je suis très contente. Super. Trop bien. Bon, ceux de la display, on va voir si j'ai de la chance. Et dans les displays, toujours un peu plus de chance. Ah, d'ailleurs, c'est pas une display comme d'habitude. J'ai pas pris au même endroit où des fois j'ai des cool, je sais quoi, la cool booster. Pas un cool booster, c'est pas. Hop, d'ailleurs, le papier du booster ne paraît pas pareil que dans les tripacks. Alors, on va voir d'autres illustrations. C'est vrai que tomber sur les mêmes tout à l'heure. Hop, allez, petite énergie. Coléodome. Hypocéan. Cardus. Archéomyre. Ouais, sympa, un petit côté égyptien là, avec la pyramide derrière. De Tomakazu Komiya. Ah oui, bah, fameux Komiya. Elle rend bien. J'aime bien. Blizzy. Lipoutou. Très sympa également. Sepia Top. Faudrait que je m'attarde un peu sur les illustrations, mais je les découvre. Rond Gourmand. En reverse, une rare reverse. Nemelios. Très sympa Nemelios. Et Dolman en rare. Ouais. Le dernier booster. Tac. Énergie métal. Ma chopper. Oula, la posture est très particulière. J'aime pas du tout là. Portail Mirage. Blind Alice. Quanton. Pète à modeler. Rockabot. Bon, celui-là, je crois qu'on l'a eu dans presque tous les boosters avec Otaria également. Oh, Zorua de Isui. Très joli. De Komayama. Vraiment joli. Blizzy. En rare reverse, Luculabre, deuxième rare reverse en feu, et oh, une petite V, cuir MV, oh cool, elle rend bien cette petite V, j'ai l'impression qu'elle est un peu abîmée ici, il manque carrément de la matière, un petit peu trouée, enfin, pas trouée parce qu'elle n'est pas percée, mais ouais, bon, mais l'illustration est sympa aussi. Bon, eh ben, ça aurait été un tirage pas trop mal. Sur un tripack Roux Carnage et Drac au Feu. Bon, Drac au Feu en entraîneur galerie, très sympa. Bien contente, vraiment, c'est la plus belle carte hein, de j'ai eu là. Et la QRM de la display. Sans oublier bon, la petite promo d'Imoré.
Bon, eh ben j'espère que les prochains tirages seront encore plus chanceux, mais ça va, je suis quand même satisfaite. N'hésitez pas également à partager vos tirages si vous avez réussi à trouver de la, j'allais dire de l'astro radieux, du Origine perdue. D'ailleurs, celui-là, cette illustration est très belle avec Gardevoir Shiny. Et n'hésitez pas également, s'il vous plaît, pour me soutenir, à lâcher un petit pouce bleu, pourquoi pas à vous abonner aussi. Et activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!